De nos jours, un grand nombre d'êtres humains sont interpellés dans leur choix de vie, en pressentant que l'imminence d'un chaos planétaire sociétal est là. C'est au sujet du changement de ces choix de vie que se situe mon troisième ouvrage, Objectif Bien-être. Il est le fruit de 15 ans de genèse d'un véritable projet de civilisation adapté à la mutation en cours. La genèse d'un projet concret pour ouvrir une voie d'espoir dans la crise actuelle. Objectif Bien-être est un ouvrage de spiritualité politique qui pose les bases d'un bien-être individuel sans contrepartie négative pour son entourage, ce qui était fondamental à valider et qui est très original ici. Cette œuvre envisage ensuite, dans un deuxième temps, le passage à un bien-être plus global au niveau de la société. Partant du constat de mutations généralisées que le célèbre agroécologiste Philippe Desbrosses nous rappelle dans la préface. Partant de mes expériences sur l'eau vivante, issue de mon premier ouvrage, L'eau matrice de la vie, miroir de la conscience, je pose les bases intérieures, ésotériques, incontournables, d'un véritable objectif bien-être spirituel, pour permettre d'oser avec courage les révolutions intérieures personnelles, afin que le regard de chacun sur le monde puisse évoluer. Puis, j'aborde ensuite les lois universelles concernant la nature de l'être humain, celle de l'eau vivante de notre corps, autant que celle des mécanismes de libération durable des douleurs, pour inviter à une communion avec le vivant. Enfin, je pose les fondations d'un programme politique complet et cohérent, programme que j'ai défendu jusqu'aux élections législatives, en y indiquant ses présupposés. Objectif Bien-être est une thèse complète sur le sens de la vie et l'art de vivre en paix. Une ode à la simplicité et à l'amour, comme le dit le botaniste Jean-Marie Pelt, président de l'Institut européen d'écologie, dans sa postface. Alors, osons bâtir maintenant sur cette terre un véritable jardin du Créateur, un jardin proche de ses anciennes origines pythagoriciennes, autant sur les lois d'harmonie et d'amour que sur les hygiènes de vie à adopter.